ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Balingua Newscast. On the eye of the news for today, Tuesday, June 18, 2024, Cameroon calls for a united front against malaria. While the Ministry of Public Health, alongside civil society organizations, emphasized the need for a multi-sectoral approach to eradicate this pervasive health challenge. Stay tuned to the complete story in a moment. We talk sports, preparations hit top gear ahead of the 23rd edition of the African Athletics Championship. Athletes from other countries have begun arriving in the economic capital, with over 800 expected from about 54 countries. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Good evening, if you're just joining us. Well, the news opens in the French language with you, Makedali Dignutum. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Le Cameroun se joint ce 18 juin à la communauté internationale pour commémorer la journée internationale de lutte contre les discours de haine. Au Cameroun, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Analyse croisée ce soir d'un psychosociologue, Maurice Soumo, et d'un acteur de la société civile, Philippe Nanga, interrogé par Lilarène Ganzu. 5 minutes sur les réseaux sociaux, le constat est alarmant. Les discours de haine ont fait leur lit dans l'espace cybernétique. Entre posts et commentaires, l'insulte, le dénigrement et la brutalité ont vite pris le pas sur la convivialité. Tout est aujourd'hui prétexte pour s'opposer violemment, la politique, le football. Lorsque vous parlez de discours de haine, ils sont plutôt l'expression d'un ressenti qui puise sa source dans les clivages et les divisions qu'il y a au fond de la société. Et aujourd'hui, ces clivages ont plus de plus en plus de l'importance et ont défié les lois de la perception sociale, c'est-à-dire que ça ne gêne plus du tout les uns et les autres de s'exprimer publiquement au nom de la démocratie et de la liberté de parole. Donc, de façon assez simple, nous étions une société qui vivait cette division, mais cette division était plutôt mise à contribution pour affirmer notre diversité et nous rassembler. Aujourd'hui, dans un contexte de concurrence politique établie, où des gens pensent que certaines tribus ont plus d'avantages que d'autres, au nom du fait que les gens soient libres de l'exprimer, donc publiquement, ils prennent la parole pour exprimer ce qu'ils pensent. Avant, même si les gens le pensaient véritablement, ils ne l'exprimaient pas. En 2023, dans le cadre des festivités liées à la fête de l'unité nationale, le ministre de la Communication, le ministre de l'Administration territoriale et le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme montent au créneau pour dénoncer la montée vertigineuse des discours de haine au Cameroun. Dans sa prise de parole, le porte-parole du gouvernement cite entre autres causes les enjeux de la vie politique qui ont transformé l'arène politique en champ de bataille, oppriment la haine, l'incitation à l'insurrection, les menaces et la violence verbale. Les acteurs politiques d'une manière ou d'une autre, des fois sans forcément le vouloir, entretenaient, n'est-ce pas, ou alors suscitaient, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, tribalisation bien de comportement haineux dans les espaces publics. Alors, j'explique ça brièvement. Et c'est tout simplement que les hommes politiques, quand ils commencent à se déployer sur le terrain, la tendance a souvent été qu'ils partent d'abord dans leur village, qu'ils contactent d'abord les amis, et donc du coup, il va y avoir un réseau, n'est-ce pas, d'acteurs de proximité, tribal, social, professionnel, qui vont se constituer autour de ces leaders politiques, et qui vont, sous le prétexte du soutien, développer, n'est-ce pas, des comportements et des discours de haine vis-à-vis des potentiels concurrents de ce leader politique. Voilà comment les leaders politiques ont, d'une manière, peut-être involontairement, constitué des vecteurs, n'est-ce pas, de discours de haine dans l'espace public. Et c'est pour ça que nous avons souvent interpellé certains acteurs politiques de faire attention,
arrêter ça. Voilà, donc, c'est tout comme c'est cette tendance souvent à se replier d'abord dans son espace de tribu et même dans son milieu amical pour commencer sa propagande politique et qui fait naître, n'est-ce pas, une sorte de coalition, n'est-ce pas, autour des hommes politiques et qui malheureusement entraîne souvent le développement des discours de haine vis-à-vis des potentiels concurrents de ce leader qu'on croit protéger de cette façon-là. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'on glisse parfois vers l'insulte ethnique et tribale, et ce malgré les campagnes caravanes de sensibilisation pour lutter contre les discours de haine. Alors, comment les Camerounais perçoivent-ils justement les discours de haine qui semblent avoir fait leur nid sur les réseaux sociaux notamment? Écoutez ces réactions recueillies par Lélarine Grandjean. Discours haineux, moi je perçois ça parce que on accepte, parce que moi je juge, Facebook même l'accepte. Mais dans ce pays, le gouvernement peut même minimiser, je veux dire quoi, contrôler même ce qui vient et ce qui ne vient pas, c'est comme ça. Comme si le gouvernement interdit peut-être Facebook, WhatsApp, on va rester comme ça. On ne va pas être là pour commencer à marcher, pour chercher, non. Et moi, je dis les discours haineux, ça dépend de la personne à qui tu es en face. Parce qu'il y a souvent des discours que quand tu écris, on te bloque. Comme moi, par exemple, mon compte Facebook a été restreint. Pourquoi? A été restreint. Donc, parce que tu diffusais les discours haineux? Non, pas parce que tu diffusais les discours haineux. Parce qu'on a envoyé une publication et j'ai répondu un peu bizarrement. C'est-à-dire, on a envoyé une publication et j'ai répondu... Je suis de la... Quand je suis de l'église, je suis églisienne. Donc, tous les hiboux, moi je m'en fous. On a restreint mon compte. 72 heures, jusqu'à hier, je suis resté 72 heures sans que mon compte Facebook, tout ce que publié ne passait pas. Moi, je vois des gens qu'on publie nus sur le net. Normalement, ça, le gouvernement d'abord camerounais devait prendre en charge ça parce que tu publies quelqu'un nu ou bien son sexe quelque, sur n'importe quel site, il te porte plainte, on doit l'arrêter. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose... D'abord, moi, je n'aime pas d'abord les réseaux sociaux. Par exemple, dans le Facebook, je suis quitté dans le réseau Facebook parce qu'il y a trop de mensonges là-dedans. Et moi, je n'aime pas ce genre de choses. Parce que dans Facebook, vous trouvez de n'importe quoi. Certaines choses qui sont vraies, il y en a certaines qui ne sont pas vraies. Donc, moi, je préfère m'écarter. Donc, par exemple, si moi, je suis certaines informations aux réseaux sociaux... Je pense avec un peu de princesse parce qu'il y a trop de mensonges là. Et puis c'est grave avec la jeunesse de nos jours. Quand nous on était petits, on ne connaissait pas ces choses des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il y a tellement de réseaux sociaux et il y a tellement de mensonges. Et certaines personnes viennent rencontrer de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. La haine amène la division. Et cette division nous amène à nous détester. Hein? À nous détester. Et lorsque nous nous détestons, ça provoque tout ce que nous vivons là aujourd'hui. Ça provoque tout cela, toute cette scène que nous vivons là aujourd'hui. The Emergency Medical Assistance Project, SAMU, led by the Minister of Public Health, Manawuda Malashi, has taken off today, June 18, 2024. Well, this was at the Lakintini Hospital, which actually serves as a platform for the implementation of this project. Our reporter, Crystal Asikswele and Nunu Futue, went down to the field and have this report for us. Bringing the hospital closer to the patients and vice versa to receive quality and adequate health care has been the raison d'être of the implementation of the Emergency Medical Assistance Service project initiated by the Ministry of Public Health, which has kicked off today at the Lakintini Hospital in Douala. The ambulances, which dispose of mobile health clinics to serve in the transportation of patients to the nearest health facilities, have been deployed to the four different stations in the city of Douala. Le projet SAMU est un projet porté par le ministère de la Santé publique sur haute instruction du chef de l'État Paul Biya, et l'hôpital Lakintini est pour le moment la plateforme
de mise en œuvre effective de ce projet SAMU qui consiste véritablement à transporter les malades, les patients, les accidentés du point où ils se trouvent vers les formations sanitaires publiques ou vers l'hôpital Akintini de Douala qui a un plateau technique adéquat, propice pour recevoir tout type de pathologie. Il est donc question depuis ce matin de voir disposer à travers la ville de Douala dans 4 points précisément au palais d'Ika Akwa, au niveau de la sous-préfecture de Bonamoussadi à Koto, au niveau de SCR Maya à Bonaberry, sans publicité, mais également au lieu dit gendarmerie borne 10. C'est toujours à Douala, du côté du village. Il y a des ambulances médicalisées, bref, des petites cliniques mobiles qui sont mises dans ces ambulances-là et qui sont disposées pour transporter les patients, quelle que soit la situation dans laquelle ces patients se trouvent, vers les formations sanitaires. Je rappelle. However, for the population to get in contact with this emergency medical assistance services, there are numbers to be contacted and provide useful and adequate information to the team to be able to get to you on time. Qu'il y a des numéros courts qui ont été mis à la disposition pour justement joindre le SAMU. Il y a le 110 qui est logé à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral à Bonanjo et le 119 qui est logé à l'hôpital Akintini. Et une fois que vous avez composé ce numéro-là ou encore les numéros longs d'un opérateur de la place, ces numéros sont disponibles sur la plateforme de l'hôpital Akintini de Facebook. Ces numéros-là vous permettent donc d'être en communication avec les opérateurs du SAMU qui vous diront ce qu'il faut faire, l'évaluation téléphonique qui sera faite, mais également l'évaluation physique des personnels du SAMU une fois arrivés sur place et la décision de référer vers une formation sanitaire la plus proche ou vers l'hôpital Akintini de Douala qui est mieux équipé, qui a un plateau technique plus adapté pour recevoir tout type de malades. Donc, this project, it should be noted, will equally be implemented in other towns and regions of the country. Santé, toujours la lutte contre le paludisme doit être multisectorielle au Cameroun. Le combat contre la première cause d'hospitalisation et de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans notre pays doit être une affaire de tous. C'est en tout cas le vœu formulé par le ministère de la Santé publique et les organisations de la société civile. Inès Pangan à Yaoundé. Lutter contre le paludisme est une affaire de tous et de chacun. La pathologie est la première cause d'absentéisme et d'hospitalisation au Cameroun. Le pays est d'ailleurs le 11e le plus touché dans le monde, avec près de 6 millions de cas enregistrés chaque année pour 4 000 décès. Changer la donne appelle à l'adoption de bonnes pratiques par les populations. Pour qu'on cesse d'avoir autant de cas de maladie et pour qu'on cesse d'avoir autant de décès de maladies, il faudrait qu'on adhère aux interventions qui sont proposées par le pays, notamment la bonne utilisation des moustiquaires, la vaccination contre le paludisme, pour les femmes enceintes, la prise de tous leurs traitements. Cela passe par une sensibilisation des publics cibles que sont les populations, mais aussi les acteurs du secteur privé et les décideurs. 1% des enveloppes budgétaires des départements ministériels devraient être consacrés à la lutte contre le paludisme, et près de 15% du budget de l'État du Cameroun dédié à la santé. Je pense qu'on peut mettre l'accent sur multiplier la diffusion des messages. Et il y a également quelque chose qui est très important, c'est que cette lutte ne va pas se faire sans les ressources financières pour mettre en œuvre les interventions. Et à ce niveau-là, les médias sont très importants aussi pour interpeller les leaders sur le besoin crucial d'augmenter les fonds alloués à la lutte contre le paludisme. Le 6 mars dernier, lors de la conférence ministérielle des États les plus touchés par le paludisme, la déclaration de Yaoundé est signée. Les pays signataires, dont le Cameroun, se sont engagés à augmenter les ressources nationales dans la lutte contre la maladie et l'investissement global dans le secteur de la santé.
La sensibilisation contre la drépanocytose est au cœur de la deuxième édition du festival baptisé Tabaski pour tous. Le 17 juin au quartier Nubel, ici dans la ville de Douala, autorités administratives, religieuses et les populations ont été édifiées sur cette maladie qui peut être évitée. Le point avec vous, Orien Donkeng et Nono Fetue. En marge de la fête de la Tabaski, le Conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest a organisé la deuxième édition du Festival Tabaski pour tous. La particularité de cette édition, c'est ce que vous avez constaté, la promotion d'une campagne massive, n'est-ce pas, contre le drépanocytose, si je peux le dire ainsi, et une campagne massive pour la distribution des textes d'électrophorèse. Ainsi dit, c'est un accomplissement. Parce que la population a bien assimilé, bien digéré ce qui a été fait et c'est un sentiment de fierté. Pour finir, je voudrais appeler les uns et les autres à l'aube des élections de s'unir comme un seul homme pour la promotion de la santé, du vivre ensemble ainsi que de la paix. La drépanocytose est une maladie évitable et le combat est une affaire de tous, d'où la participation de la plateforme Convergence qui regroupe les associations nationales des drépanocytaires. Nous célébrons le 19 juin prochain la 16e journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. C'est la 10e semaine de lutte contre la drépanocytose au Cameroun. Aujourd'hui, pour sensibiliser les populations de Nouvelle Congo sur la maladie qu'est la drépanocytose. Vous savez, c'est une maladie orpheline, une maladie sur laquelle on ne communique pas assez. Donc c'est l'occasion pour nous, ici, de venir sensibiliser les populations de Nouvelle Congo sur la drépanocytose, leur donner les tenants et les aboutissants de la maladie et répondre à leurs questions parce qu'ils ont assez de questions à poser qui sont toujours sans réponse. Oui, nous leur avons promis 500 tests de dépistage, des TDR, des tests rapides de dépistage de la drépanocytose. On va, à partir de demain, on va effectuer des caravanes de dépistage à travers les différentes communautés musulmanes de la ville de Douala. Cette deuxième édition du Festival Tabaski pour tous est parrainée par la délégation régionale des arts et de la culture du littoral. Est un prétexte de sensibilisation autour d'une question sanitaire et certainement vous vous demanderez donc que faire monsieur le délégué régional des arts et de la culture dans un événement de santé publique. Eh bien la réponse est toute simple et il faudra se féliciter les organisateurs une fois de plus puisqu'ils savent que la culture est un trait de rassemblement et de regroupement et aucune sensibilisation ne marche sans regroupement des personnes. Ce 17 juin 2024 à Nubel, c'est dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, autorités traditionnelles, religieuses et autres populations se sont retrouvées sous le thème « Le vivre ensemble, la paix, la cohésion sociale et la promotion de la santé, socle du développement et de l'émergence de notre cher et beau pays, le Cameroun ». Let's listen to Useni Musa, promoter of Tabaski for Tous, which translates as Tabaski for All. He tells us the Tabaski Fest was an avenue to promote living together, as we saw the attendance of Cameroonians from every part of the region, from across regions in Nubel, and also was an avenue to promote or do awareness, preach awareness of sickle cell. Well, this World Sickle Cell Day is commemorated every June 19. Let's listen to him. Due to the occasion of celebration of Tabaski 2024, I'm grateful, I'm very happy because this event has been very good because you realize by yourself that all the cultural representatives of our countries, they are present. And the regional delegate of culture and art, he is also present. This will show you the character of living together, each other, and the promotion and peace and living together. Apart these events, we are also promoting the healthcare. That's why the people are promoting this campaign for drépanocytose and call all the population to make their test of electrophoresis. So that is the means of our activities to give our contribution to the edification of our country, Cameroon, and to support His Excellency Paul Biya for his program of living together, each other, and the healthcare.
Language barrier is a stumbling block for many Sudanese refugees that have sought refuge in Uganda. Some of the estimated 40,000 people who arrived in recent months had limited English language skills, but not enough to hold jobs or move easily throughout through Ugandan society. Well, Women's Empowerment Group in Central Uganda is trying to change that narrative. Let's listen to this report as prepared by the Voice of America. A basic English lesson being taken by former professional civil servants and their children. These are Arab-speaking refugees from Sudan who are in desperate need of learning the English language to ease their transition into Uganda. Among them is Razan Abdurrahim Muhammad, a chemical engineer by profession and the mother of four children. Having escaped from Sudan in March, Muhammad lost contact with her husband. I want improve myself to be able to apply for any job so that I won't care my children. Each of the 50 students in the class needs at least 3 months to learn the language. Asmahan Ahmed must mix Arabic and English for easy understanding for her students. With few teaching facilities, the former civil engineer is teaching a lesson about basic English sounds. Most of the refugees, she says, learned only a little English in school before arriving in Uganda. It was difficult for us to communicate and use it for social purposes, and we find that hardness to explain ourselves that what we know, than what we want, what we need. Dawla Hussein Hassan was first displaced from Sudan in 2011 during a civil conflict. She sought refuge in South Sudan, but that country's conflict drove her to Uganda in 2014. Now, the executive director of the Kanda Kiat Organization for Women's Empowerment says she has been working to better the lives of these newly arrived Sudanese refugees. Hassan notes that struggles with the English language have left many refugees frustrated regardless of their education and qualifications. They need real assistance to fix themselves within this community and to feel their dignity, because if I'm a doctor myself, I'm not expressing to my fellow doctor how I feel, how I'm sick, because of the language barrier, the shame comes up, and a lot of you find you're like your future. Halima Athmani for VOA News, Mukono, Uganda. Sport, athlétisme, à quelques jours du démarrage des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. La fièvre monte dans la ville de Douala avec, entre autres, le bal des arrivées des délégations qui se poursuit. Sur le terrain, les athlètes africains déjà présents poursuivent également leur préparation. Alors, qu'en est-il du complexe sportif de Japuma qui va accueillir la compétition à partir de vendredi prochain? On a posé la question à Hervé Fuller de la Fédération camerounaise d'athlétisme, la question de savoir si Japoma est prêt pour l'événement. Écoutez-le dans l'élément qui va suivre. À la veille du démarrage des championnats d'Afrique d'athlétisme senior, le complexe sportif de Japoma à Douala fait peau neuve. À notre arrivée sur le site ce 18 juin 2024, le comité d'organisation s'active pour mettre en place les différents ateliers. Nous sommes en train de faire des derniers réglages parce que la piste a connu beaucoup de problèmes, que nous sommes en train d'essayer de colmater des brèches, et j'ose croire que d'ici jeudi au plus tard, elle pourra être prête. Sinon, le plus difficile est déjà fait, à savoir l'installation des ateliers de concours, à savoir le saut à la perche, le saut en hauteur, les lancers du marteau et disque. Donc de ce côté, tout à fait prêt. La grosse difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est la piste en elle-même, puisque c'est elle qui fait vraiment l'événement. Et j'ose croire que le tracé pourra commencer demain et finir, même s'il faille le faire
dans la nuit, 24 sur 24, il va falloir que jeudi, la piste soit prête. Et en attendant que la piste soit prête, les athlètes africains déjà présents à Douala poursuivent leur préparation ici, sur l'un des stades d'entraînement du complexe sportif de Japoma, site finalement retenu pour les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme. Quand 5 épreuves sont prévues, soit 22 en dames, 22 en messieurs et une épreuve mixte, à savoir le 4 x 400 mètres. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Balingwet newscast. But before leaving, we will like to launch this publicity report that celebrates the 30 years of Yellow by MTN. Good night to you, Makinaliji. Au revoir, Onila Donette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir. Safety equipment, headgear, safety glasses, dust masks and gloves checked. Brushes and sandpapers in hand, sleeves rolled up. It's in this condition that MTN Cameroon employees and partners have come out in their numbers today, June 15, 2024, at the government primary school Bilonge in the Douala 3 municipality to carry out refurbishment works in order to give this learning institution a new facelift. This in line with MTN's Social Responsibility Action Program dubbed 30 Days of Yellow Care. As MTN Cameroon, we pride ourselves on being, of course, a very responsible corporate citizen. And with that comes our joy in participating in community development projects. For that reason, you'll see that MTN Cameroon, for the last 25 years, has been participating in community development projects such as this one, through the umbrella that we call 21 Days of Yellow Care. This year is especially special because the program is going to run 30 days instead. This year, we are really excited to be in Douala, out here in Bilonge, at the primary school of Bilonge, where we are going to be impacting the school in a couple of ways. One, in form of the rehabilitation of the physical structure, the classrooms, but on top of that, because we have a huge part to play in driving sustainability in the environment, we'll also be planting trees. What's more exciting, however, is the partnership that we have not only with the mayor, with the chieftaincy of Bilonge, but also with UNICEF for the building of an ecological media center. This activity, which initially kick-started on June 8, has witnessed the participation of not only the Yellow employees and partners, but equally the youth community group of Bilonge, championed by the mayor of this municipality, who came out to support and join forces with the number one mobile telephony company, MTN, in the realization and concretization of this magnificent and laudable project. Merci de donner la parole, de pouvoir nous exprimer dans le cadre du programme de réhabilitation de cette école. Les besoins sont énormes. On est donc obligé de procéder par... on planifie nos interventions. Il fallait quand même un moment, et le moment est venu pour qu'on réhabilite cette école primaire dans cet environnement qui est aujourd'hui parsemé des écoles privées, écoles primaires privées, tout au long, qui prennent le maximum des élèves. Voilà un peu présenter ce qui va être fait. For the director of the school, this action initiated by MTN Cameroon and its partners is one to be saluted, appreciated and commended, as it will go a long way to not only impact the community but also improve the learning conditions in the school, as well as encourage the population of this community and its environs to send their children here, as they had restrained from doing so due to the deplorable and dilapidated conditions of the school. L'impact ici sera au niveau de la massivité de l'abondance et de la fluidité des enfants à la rentrée scolaire, parce que vu l'état des bâtiments actuellement, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'enfants. C'est une école qui peut contenir plus de 1000 élèves. Mais en ce moment, ils sont près de 500. Et vraiment, quand les parents à la rentrée sauront que l'école abrite une salle multimédia, ils seront curieux et je pense que les enfants et les parents seront bien accueillis, bien reçus à l'école pour
ses enseignements aussi à améliorer dans l'évolution des TIC. In addition to refurbishing the school and giving it a new facelift, MTN Cameroon and its partners equally intend to construct and equip a digital hub in the school premises. This with the partnership of UNICEF in order to promote and foster innovative digitalization and creativity in the pupils of the school. It is, however, worthy to mention that this program, initially dubbed 21 Days of Yellow Care, is a volunteering program initiated by the MTN Group since 2007, which encourages its employees of all its subsidiaries to get involved in solidarity actions for the benefit of the local communities in which they operate in. However, this year, the program is marked by the celebration of the 30th anniversary celebration of the MTN Group, hence the title 30 Days of Yellow Care instead of 21 Days. As a citizen company that cares about the well-being and interest of the communities in which it operates, initiative seeks to promote quality education for children with the aim to foster the next generation of innovators, entrepreneurs and leaders who will shape their communities and the global landscape for years to come.